chers téléspectateurs de Flamme TV, shalom, shalom. Nous sommes en direct de l'aéroport international de Douala où toute la congrégation du ministère international de la délivrance intégrale est fin prête pour accueillir l'homme de Dieu, le révérend, le bulldozer de la délivrance, révérend Martin Le Chandelier. Bien-aimé Martin Le Chandelier, c'est un bulldozer de la délivrance, un homme de Dieu qui vient pour la délivrance du Cameroun. On rappelle qu'il sera accompagné tout à l'heure dans la descente par le prophète major Gaston Flamme qui est l'hôte de ce programme. Toute la délégation du ministère international de la délivrance intégrale est mobilisée pour l'accueil de l'homme de Dieu. On rappelle que son avion vient tout juste d'atterrir. Il est là, il a atterri sur le sol camerounais pour ce grand programme Opération Délivrance. Révérend Martin Le Chandelier, le bulldozer de la délivrance, un grand homme de Dieu invité par le prophète major Gaston Flamme pour le ministère international de la délivrance intégrale. Toute la délégation est là, les pasteurs, les évangélistes, le peuple de Dieu pour accueillir cet homme qui a la délivrance au bout des lèvres. Nous allons passer la parole à un autre membre de la délégation ici à l'aéroport pour attendre l'homme de Dieu, le révérend Martin. Quelles sont vos impressions? Il faut déjà comprendre que mes impressions sont tellement joyeuses. Tu vois, quand tu attends cette qualité de personne, lorsqu'ils arrivent dans un pays, il y a comme quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, présentement, la pluie est en train de tomber. Et certainement, quand la pluie va tomber, il y aura une pluie de délivrance aujourd'hui. Quelle que soit la puissance démoniaque et satanique, certainement, Satan va pisser dans son pantalon aujourd'hui. Moi, j'invite les sorciers. Moi, c'est un problème, c'est que moi, j'invite tous les sorciers du monde à venir confronter ce monsieur. Parce que certainement, il a une onction particulière et puissante. J'ai dit, il a une onction particulière et puissante. Toi qui as les kystes, les myomes, toi qui as le VIH, toi qui as le cancer, pardon, je t'en supplie, ce n'est pas un problème. Ton problème, c'est seulement de payer le transport et de venir. Le billet d'entrée, c'est ta petite et ta simple foi. Donc, il faut seulement avoir un peu de foi. Et avec la foi, je suis sûr et certainement que le gros sabre qui est dans ton village va tomber au nom puissant de Jésus. Vous le constatez, c'est certainement sur cette pluie que l'homme de Dieu va faire cette arrivée. Une pluie qui annonce certainement les prémices d'un programme qui s'annonce en grandeur nature. On a encore avec nous un membre de la délégation du ministère international de la délivrance intégrale pour ses impressions à l'attente de l'homme de Dieu ici au parking. Oui, je te remercie, servante de l'Éternel. Nous glorifions l'Éternel parce qu'il nous accorde cette grâce de venir accueillir l'homme de Dieu, le puissant homme de Dieu que nous attendons en ce moment. Et cette pluie est un présage pour nous dire que la pluie de bénédiction va tomber en abondance pendant ce programme. Donc, frères et sœurs, vous qui êtes en train de nous regarder, ne manquez pas ce programme. Les bénédictions seront en abondance. Vous aurez ce que vous n'avez pas encore vu, ce que l'œil humain n'a pas encore vu, ce que l'oreille humaine n'a pas encore entendu. Pendant ce programme, chers frères et sœurs, vous allez l'entendre. Le feu va descendre sur vous. Comme cette pluie est en train de descendre sur nous maintenant, nous sommes déjà en train d'entrer dans cette bénédiction. Alors, nous vous invitons à venir partager cette bénédiction avec nous. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Yosa monene papa yo tona nanguya yanga vita mokonzi nkumu monene naluka yo na bangomba Jeune barrette, Samba van Thomas, Samba Mili, Moya Basapoli, Manati Nini, Polemana Nangoe, Bobola Nini, Jova, Okokate Kosilisa, Problème Nini, Goliath Nini, Ango, Efelo Nini, Okokate Kokoisa, Talanga Mwana, Nakomina Suka. Ibosuma ya monana simananga mampinga ya falo Koyo kilo sango, tozongi na yoe Otikana jame koyo kisa soni baeva tale la kayo Pele la sango yo Pele la sango yo Venga ya zuyuka Venga ya kusala Thank you.
membre du ministère international de la délivrance intégrale et leur père, le prophète majeur Gaston Flamme, par ma modeste voix, vous souhaite une bienvenue au Cameroun et un agréable séjour à Douala. Une fois de plus, bienvenue. Homme de Dieu, révérend Martin Le Chandelier, vous êtes en direct de Flamme TV. C'est un honneur pour Flamme TV et c'est un double honneur pour le ministère international de la délivrance intégrale de vous recevoir. En ce jour, on aimerait savoir déjà comment a été votre voyage. Le voyage favorable, bien qu'il y ait eu des petits couacs, mais Dieu nous a aidés par la grâce de Dieu. Lorsqu'il y a des grandes visions, des grandes missions, il y a toujours un peu la main noire du diable. Mais nous avons vu Dieu nous assister et je crois que notre Dieu sera au rendez-vous pour la suite. On rappelle que vous êtes au Cameroun pour un grand programme qui a été fortement médiatisé, Opération Délivrance. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà à tous ceux qui nous regardent à l'instant et qui peut-être disaient que l'homme de Dieu, Martin Le Chandelier, ne serait pas au Cameroun? Oui, gloire à Dieu. Je crois que pour tous ceux qui nous suivent, je lance un appel, qu'ils viennent. Je suis venu avec une grande vision, 0% des démons. Donc Dieu va faire. Amen. Pourcentage des démons, zéro. Donc Dieu va faire, j'invite tout le monde à venir à ce grand rendez-vous. Notre Dieu sera au rendez-vous. On vous souhaite une très bonne suite. Merci, merci. Laisse-moi te dire qu'il agit déjà. Sans le changement, sans l'exaucement de Dieu. Fini le temps de pleurer, c'est plus le temps de te lamenter. Et comme il t'a envoyé au Jonathan, t'as envoyé au salon à Saint-Jolie. Ma Saint-Jolie débloque à ma situation difficile.
azana batina ya kobikela oyesala kama kasi ya moto ezape bisika ya kolikia. Chers téléspectateurs de Flamme TV, nous sommes à la résidence où l'homme de Dieu, le révérend Martin Le Chandelier, a déposé ses valises pour ce grand programme annoncé depuis longtemps. 3 jours de délivrance, 3 jours de profonde délivrance. C'est avec un grand honneur, c'est avec plaisir que Flamme TV a l'honneur de tendre le micro à ces grands hommes de Dieu pour avoir ses impressions par rapport à ce programme et comment est-ce qu'il trouve le Cameroun. Bonne arrivée, homme de Dieu. Merci, merci, très gentil, très gentil. J'ai aimé depuis l'aéroport, bien accueilli. C'était une surprise. C'est comme lorsque la reine de Saba était venue pour voir Salomon. Lorsqu'elle est arrivée, elle a dit non, ce que j'ai entendu, c'était peu par rapport à ce que je vis. Depuis l'aéroport, je n'ai pas encore vu l'église, mais je sens qu'il y a la vie. Alors, homme de Dieu, vous êtes là. On a un programme qui a été longuement et fortement médiatisé pour votre arrivée au Cameroun pour ce grand programme. Déjà, opération délivrance. Pourquoi ce thème? Oui, opération délivrance parce que c'est le thème du jour. Parce que le travail que Jésus, que notre Dieu nous a donné, c'est d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle du royaume, de délivrer les captifs, de guérir le malade. Donc le message de la délivrance, c'est le message du jour, c'est le message du moment où Christ n'est pas encore revenu, c'est le travail que nous devons faire pour préparer cette épouse qui doit entrer délivrée, dépossédée. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous procédons toujours dans le cadre de l'opération délivrance. Nous allons vraiment approfondir pour dire zéro démon au nom de Jésus. On rappelle également que pour tous ceux qui nous regardent, enfants de Dieu ou pas, on aimerait savoir comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on a besoin de délivrance, parce que nombreux sont ceux qui nous regardent, ils entendent parler de délivrance. Comment est-ce qu'ils peuvent se sentir concernés? Oui, le message de la délivrance concerne tout le monde. Il n'y a personne qui peut se dire que non, moi ça ne me concerne pas. Non, que tu sois chrétien ou pas chrétien, et surtout je n'aimerais pas déballer les colis maintenant là, mais seulement j'aimerais vous dire que le message de la délivrance concerne tout le monde, tout le monde. Parce que venir à l'église, prier, n'est pas un problème. Mais vous allez voir que lorsque Jésus était venu, il avait trouvé les gens qui étaient à l'intérieur des églises. Vous allez voir dans le livre de Marc, on dit Jésus prêchait dans une des synagogues. Il y avait là un homme possédé d'un esprit impur. Mais la personne était à l'intérieur de l'église. Tu vois, venir à l'église, aller prier n'est pas un problème. Le problème, c'est maintenant de rencontrer cette délivrance. Quelqu'un peut être là, il va à l'église tous les jours. Vous verrez quelqu'un qui a fait 6 mois, une année dans son église. On n'a même pas parlé de la délivrance, on n'a même pas parlé des démons. Moi, je me demande, c'est quel genre de travail, quel genre de vision. Voilà pourquoi j'invite tout le monde à venir pour vivre à la main de Dieu, pour expérimenter la puissance de Dieu. Et notre Dieu sera au rendez-vous, comme je l'ai dit toujours. Il y aura une forte opération, zéro démon au nom de Jésus. On dit également que l'homme de Dieu est réellement là. On va permettre à l'homme de Dieu de faire un dernier appel à tous ceux qui nous regardent actuellement. On rappelle que le programme, c'est aujourd'hui et demain où on aura l'occasion de communier avec l'homme de Dieu pour cette opération délivrance. Homme de Dieu, on aimerait que vous lanciez un appel à tout le monde qui nous regarde à l'instant pour venir à ce programme. Pour tous ceux qui nous regardent, j'aimerais dire ceci, l'heure est venue où il faut vivre la main de Dieu. L'heure est venue où le Saint-Esprit doit se révéler, doit se manifester. Tu as un problème, tu as un souci, tu as une préoccupation. C'est le moment de ta délivrance. Je suis spécialement venu pour que le Dieu que moi j'ai connu, ça fait plusieurs décennies que ce Dieu-là opère ainsi dans la vie d'une personne. Une seule personne qui me suit, une seule personne qui m'écoute. Je crois en ce que Dieu a mis en moi. Je crois en la grâce, en ma particularité. Et je l'invite à venir vivre la main de Dieu. Parce qu'on n'a pas assez de jours, on n'a pas assez de temps. Dans le peu de jours que nous sommes là, j'aimerais que tout celui qui me suit, qu'il vienne vivre la main de Dieu, la main de la délivrance. Je ne cesserai de le dire, que ce Dieu-là va faire pour qu'il y ait zéro démon dans ta vie. Toi qui me suis, tu fais des cauchemars, tu fais des mauvais rêves, tu te retrouves la nuit, on te poursuit, tu te retrouves dans des couches nocturnes. Notre Dieu ce soir, il sera au rendez-vous pour te délivrer. Même les malades, les possédés, tu as des maladies incurables qui ont mis du temps. Le temps de la guérison est encore là. Notre Dieu est capable de guérir. Je l'ai vu guérir quelqu'un de sida. Je l'ai vu guérir les gens de l'hépatite. Je l'ai vu guérir les gens des maladies déclarées impossibles, incurables par le médecin. Mais lorsque ces gens-là viennent à l'église,
ils voient la main de Dieu, Dieu les délivre. Ce sont les personnes là que je suis en train d'inviter. Nous sommes avec le prophète majeur Gaston Flamme, l'hôte de ce programme, qui est très ému depuis l'aéroport de l'arrivée de ses amis dans la délivrance, le révérend Martin. Nous allons demander à l'homme de Dieu, le prophète, de nous dire déjà ses impressions par rapport à l'arrivée de cet homme de Dieu. Oui, nous sommes très 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 contents parce que vous savez, lorsque vous avez un grand orateur, surtout un homme de Dieu qui a l'expérience dans les domaines de la délivrance comme les révérends Martin Le Chandelier, on attendait toujours et le voici, il est déjà là et nous disons gloire soit à Dieu au Seigneur. On rappelle également que cette opération a commencé depuis hier. La main de l'Éternel a été au rendez-vous. Une puissance a été vraiment déversée hier au ministère et le programme continue aujourd'hui. On aimerait, homme de Dieu, entendre cela de votre propre bouche, que vous nous dites oui, l'homme de Dieu est là et que la main de l'Éternel sera au rendez-vous. Oui, l'homme de Dieu est là. Et ce n'est pas quelque chose comme une histoire, mais c'est déjà une réalité. Parce qu'il est dans nos murs, c'est que ce soir, ça va déménager. Parce que je connais la portion, la dimension des forces qui déportent. Vous savez, ce n'est pas facile. Quand on déplace un grand homme d'aider à cette dimension, on sait que tous les démons qui ont duré dans ton corps sont dans l'obligation de déménager. Alors ce soir, surtout que lui-même a dit tout à l'heure qu'il est venu, avec opération zéro démon. C'est-à-dire quand il était tout seulement sa main, et tous les deux, même si tu avais 8000, ça revient à zéro. Alors moi je t'invite pour que tu ne manques pas dans ce programme au nom puissant de Jésus-Christ. Le grand rendez-vous est donc pris au ministère international de la délivrance intégrale le 4 septembre, le 5 septembre pour la suite de ce programme Opération Délivrance. Venez massivement, venez nombreux, la délivrance sera au rendez-vous. Le biais d'entrée, c'est votre foi. Venez et je suis sûr que le Dieu qui agit au travers de ce ministère et dans ces hommes de Dieu ne manquera pas de faire quelque chose pour votre vie. Shalom à vous.